Ça y est, un peu. 1, 2, 3, 4. Très bien. Et. Merci en pile. Conférence de presse aujourd'hui, ce collectif victime massacre avec insécurité dans le quartier populaire au Cap Bailly. C'est mon Bel Air, mon La Saline, mon Cité Soleil, mon Fortouan, mon Wav Jérémy, mon Cafoufeuille qui mettait ensemble, qui fait collectif ça. Nous, même avocats collectif là, nous avons une responsabilité pour nous accompagner. Yo. Et nous dit, nous prenons note, département du trésor américain, il prend sanction contre trois personnes qui participaient dans le massacre La Saline. Nous prenons note que le corps groupe là, il sortit en position en note, côté, il a condamné décret Jovenel Moïse prend pour le faire. Agence nationale intelligence qui sont véritables coton tomacout et décret sur renforcement sécurité publique. Nous dit nous wa bagay sa yo, nous tande yo, mais ce n'est pas suffisant. Tout le monde connaît massacre La Saline, c'est un massacre d'État. Et RNDDH, une organisation de droit monde qui te fait un rapport extraordinaire sur le massacre de La Saline pour te montrer une quantité de monde qui mourit, quantité de monde qui violé, quantité de monde qui blessé. RNDDH lui dit très clairement dans le rapport li, que le massacre de La Saline c'est un massacre d'État. Et au massacre population La Saline, Cité Soleil, Bel Air, y a une façon pour être capable de craser la capacité de mobilisation opposition. Parce qu'on connaît l'opposition a qu'on a fait manifestation, eh bien, ou t'es toujours une quantité de monde qui sortit Delma 2, Delma 4, Delma 6, La Saline, Bel Air, Cité Soleil, dans la troisième circonscription pour venir participer à la manifestation. Ils ont massacré la population, ils ont mis des gangs dans tout le pays, dans tout le quartier populaire, pour prendre le quartier populaire en otage, pour craser, pour casser la capacité de mobilisation. C'est un massacre d'État. Et si son massacre d'État, ce n'est pas seulement Fedner, mon chéri, et Pierre-Richard Duplan, et Barbecue qui est responsable. Les plus hautes autorités politiques du pays, ils ont une responsabilité dans le massacre qui fait La Saline, Cité Soleil, Bel Air, Wav Jérémy, Fortouan, Cafoufeuille. Ça veut dire, sanction département trésor américain prend. Faut prendre même sanction contre Jovenel Moïse tout. Le fait pour prendre sanction ça contre Jovenel Moïse tout, qui c'est chef régime non, qui a intérêt à massacrer population, hein, intérêt à craser capacité mobilisation opposition à l'action civile là. Faut prendre sanction ça contre monde qui est ministre justice, monde qui est ministre intérieur, tout gros baron régime non. Faut prendre même sanction ça contre Martelly, contre tout monsieur PHTK yo. Notre corps groupe là qui dit que décret yo et antidémocratique. Nous entendons, mais ce n'est pas suffisant. Le plus important, c'est que la communauté internationale doit cesser, doit arrêter de supporter un régime criminel. Un régime qui a violé les droits de l'homme dans le quartier populaire. Un régime qui fait alliance avec bandits, avec barbecue, avec Genève, pour tuer les gens, pour kidnapper les gens dans le quartier populaire. Il est immoral que la communauté internationale continue de supporter ce régime, ce gouvernement. Je vous dis à nous tous, nous connaissons d'après la Constitution, hein, mandat Jovenel Moïse a fini 7 février 2021. Il dit lui-même la parole pour le rété. Et c'est là qu'attend la communauté internationale. Là. L'hypocrisie de la communauté internationale est inacceptable aujourd'hui. Nous avons besoin, nous-mêmes, peuple haïtien, que communauté internationale, collectif victime massacre yo, qui fait dans le quartier populaire, yo, yo mandé communauté internationale suspendre supporter le gouvernement criminel ça, pour la justice haïtienne capable de jouer moyen pour faire travailler. Ouais, suspendre supporter un président qui a un mandat fini, qui décide de dire pas quitter le pouvoir. C'est ça le plus important. Il ne suffit pas de prendre quelques sanctions contre des gens qui ont participé dans le massacre de La Saline. Il ne suffit pas de dénoncer
les deux derniers décrets de Jovenel Moïse, décrets antidémocratiques, anticonstitutionnels, mais il faut arrêter, il faut suspendre support ton gouvernement, ça son gouvernement criminel. Pendant qu'on a parlé là aujourd'hui, il y a crasé Kaimoun, village de Dieu. Population village de Dieu, il y a crasé Kaili, dans le quartier populaire. Il y a pas crasé Kaimoun, cité soleil. Il y a pas continuer crasé Kaï peuple dans tout le quartier populaire. Nous même ça nous dit, comme avocat, comme défenseur indépendant de la monde, personne ne peut bénéficier de sa propre faute. C'est le gouvernement, c'est Jovenel, c'est PHTK qui mettent des âmes dans les bandits dans le quartier populaire. C'est le gouvernement, c'est Jovenel Moïse, c'est PHTK qui baille bandit aux âmes. C'est le gouvernement qui fait Genève. Je dis à nous dire oui, il faut arrêter les criminels. Oui, il faut arrêter les assassins. Mais nous ne pouvons pas accepter qui écrase les citoyens paisibles qui vivent dans le quartier populaire. Dans le quartier populaire, la majorité de gens, c'est des gens sérieux, c'est des gens de bien. C'est des gens qui n'ont pas de moyens qui vivent dans le quartier populaire. Moi-même, je fais tout le temps belé dans la tête de Fontamara. Je fais tout le temps dans le quartier populaire. Moi, c'est petit peuple. Moi, c'est petit quartier populaire. Je ne vais pas accepter la police paraître là, la craser caille tout le monde qui est dans le quartier populaire, tout le monde qui est village de Dieu, cité l'éternel, il a craser caille, il a battu. Je ne vais pas accepter. Oui, nous connaissons, il faut arrêter les bandits. Mais qui est-ce qui met les bandits? Et pas le gouvernement qui met les bandits? Et pas le gouvernement qui fait Genève? Et pas le gouvernement qui bat aux âmes? Et pas le gouvernement qui bat aux l'argent? Et pas le Sénat qui fait Genève? Comment ou pas qu'a fin fait gang yo kounya là ou a craser population pour aller prendre gang yo? Non, c'est pour prendre gang yo, mais puis gars ou faire population victime. C'est pour arrêter gang yo, mais faut pas gagne victime dans quartier populaire. En tant que défenseur indépendant de droits humains, on l'acceptera jamais. On pas jambe qui ton monde dit pour monde dans quartier populaire, c'est bandilier. Je n'accepterai jamais ça. Moi-même, je vis bel et bien, je vis dans la tête de Fontamara. Puis il n'y a personne qui fait ça. Ça n'existe pas. Grégory Saint-Hilaire est dans la ville de Dieu. Moi-même, je suis resté bel et bien. Après ça, je suis resté dans la tête de Fontamara. Nous, tous qui là, nous passons dans le quartier populaire. Oui. On ne peut pas profiter de sa propre faute. C'est ce gouvernement qui a armé les gangs. C'est ce gouvernement qui a renforcé les gangs. C'est ce même gouvernement qui a eu l'argent. Je dis à même gouvernement ça pas capable dit li besoin arrêter et puis la fait victime dans quartier populaire. On ne peut pas accepter ça. Ça qui a passé là c'est violation droit moun nié. La police fait pour le prendre voler yo, li fait pour le prendre délinquant, il fait pour l'arrêter bandit, arrêter criminel, mettez en bas code, mais attention, les droits des populations des quartiers populaires doivent être sauvegardés, les droits des populations des quartiers populaires doivent être respectés. Voilà notre position en tant que défenseur indépendant de droits humains. Merci. Maintenant, la conférence en va poursuivre avec le coordonnateur du collectif. Novembre qui se passe là, il fait 2 ans depuis massacre la Saline. Après massacre la Saline, pouvoir pour récompenser massacre, il remet au bout de mer. Li remettre au boulevard La Saline. Li remettre ensemble avec Kwabo Sal côté que pour bandi yo pour massacrer ou faire recette. Pendant 2 ans ça, bon hypocrisie dans pays a. Côté que bon zone qui relève va. Comment dans pays a pour un groupe citoyen, groupe mon a vivre bon zone qui relève va. Va ça, c'est côté pasteur passé au kidnapper. Père passé au kidnappé, policier absenti tout le monde, yon pas kon kote a passé au kidnappé policier, vale que pays a gon hypocrisie. On dit, 6 novembre là, magistrat pour le président, commission, pour faire madame président plaisir, li vle ba une solution cosmétique, côté que la mande nous pour nous débarrer de l'air. Et nous mêmes qui conscients, de ça qui a passé dans le pays. Nous barrer Belair, c'est pour protéger innocents, pour protéger des gens qui pas connaissent ça qui a passé dans Port-au-Prince, pour des gens qui pas fait nouvelle. Parce que à chaque fois que nous débarrer, qui ça qui gagne?
Nous ne pas comme qui côté la passé, li retrouvé pendant l'an 18 là, li retrouvé l'an 20. Et lorsque moun nan retrouvé l'an 20, yo kidnappé. Et là yo kidnappé moun sa, yo pral di c'est Belair qui kidnappé. Mais je ne veux dire faut nous finir avec hypocrisie parce que pendant toutes 2 ans ça là Belair pas fermé, mais t'es toujours des kidnappings qu'a fait. Pour nous comprendre que dame yo sont kidnappé ensemble avec musicien, c'est un variété. Pendant que on en va, je ne veux dire, on va comprendre que yo dit tout kidnapping qui fait c'est village de Dieu. Voilà que va lui-même doit faire kidnapping et yo te joine zam. DCPJ te joine zam qui te gagne dans palais national dans va. Ça veut dire là du va, son espace qui prend boulevard, boulevard la Saline là, il prend tout bon la croix pour lui, il prend tout rue docteur Aubry pour lui. Ça veut dire monsieur Sayo, que pouvoir pas les cop boule baio, que monsieur pas arriver faire recette dans marché Kwabo Sal parce que même encore yo craser marché Kwabo Sal par comportement yo. Et bien monsieur Sayo, c'est kidnapping yo fait. Et à chaque fois on fait kidnapping, on bien acheter plus zam. Yo acheter plus balle. Mais ça là va arriver dit magistrat. Mais moment ça, plus que pas ca garantir moun yo que yo pas kidnapper un espace va. C'est pas moment pour la faire pression sur ce groupe qui est dans Belair pour penser que pas venir faire massacre sur yo. Parce que dans la mesure où nous débloquer Delma 18, nous débloquer Belair, il y a des innocents qui pas même connaît même, il y a pas route la vide et pas rentrer dans route là et lorsque on rentre dans route là, on va le trouver dans va. Va ça, c'est va qui a rapport avec Genève. Va ça, c'est président qui alimente elle, c'est deux sénat qui alimente va. Mais ça n'a dit s'il vous plaît magistrat, Belair pas qu'à prendre massacre encore, pas occuper caprice madame président pour connaître qu'elle va une solution cosmétique pendant fête là pour faire madame président plaisir parce que toujours voulu montrer que yo gè contrôle pays là. Yo voulu pas voulu montrer que yo gè contrôle que c'est que zone qui ferme yo que yo ta débloquer yo. N'a comprendre que zone n'a capable débloquer après 7 février lorsque a bon pouvoir capable bail garanti que pas kidnapper moun n'espace va. C'est ça n'a dit la presse, c'est pour Paul Belair là. OK. Oui, encore une fois, n'a salué la presse par le fait qu'il toujours accompagner population haïtienne qui a traversé un moment très difficile dans l'histoire comme peuple. Côté que gagne un pouvoir qui instauré en dans pays a un mode de gouvernance, c'est faire répression sur monde en dans quartier populaire, c'est faire dilapidation, c'est faire vol, c'est faire pillage, c'est kidnapper et constitution pays a. C'est miseler toute institution en d'un pays hein, qui est capable de contrôler bon fonctionnement de l'État. Eh bien, je ne veux dire, hein, par rapport avec ensemble des constats que nous faisons, et nous-mêmes avocats qui accompagnons ensemble des gens qui victimes massacre d'État et insécurité en d'un pays, hein, nous venons accompagner pour que nous capables permettre à ce que dossier ça arrive le plus loin que possible et que moun sa yo qui victime là pour finir par jeune justice et dédommagement selon la loi. Mais nous constater et que département du trésor américain l'état prend une décision récemment, même si c'est de manière très tardive, il prend décision ça. Donc nous fait constat des décisions ça. Et il y a un ensemble d'organisations, notamment ONU, qui ont un représentant en Haïti, que n'ont pas jamais planché sous question ça. C'est comme si le pays a fonctionné très bien. Et récemment, nous attendons, ONU a félicité, un représentant ONU a félicité l'association criminelle G9. Côté que vous avez dit, automatiquement, gang yo fin fédéré en dans pays a insécurité a te diminué considérablement. Donc ça c'est une honte pour Nations Unies, c'est une honte pour tout pays qui membre Nations Unies par le fait que yo pas dénoncé
comportement représentant Nations Unies qui te fait comprendre G9 là li vinn porter une amélioration par rapport à situation d'insécurité généralisée que pays a connaît dans histoire là. Et nous-mêmes comme avocats, pour qui ça nous accompagner victimes yo. Un, c'est pour que nous capables qualifier infraction ça yo. Premièrement, nous qualifier infraction ça yo de génocide, crime contre l'humanité et massacre. Pour qui ça nous qualifier de génocide, crime contre l'humanité et massacre, c'est parce que yo exercé ensemble des crimes ça yo sur population ça yo. Un, c'est en fonction des origines sociales yo. Origine sociale yo, c'est parce que nous tout le monde qui subit des massacres, qui subit des génocides ça yo, yo sorti dans quartier populaire. C'est dans quartier populaire yo tout le monde qui victime yo sorti. Donc et yo victime c'est en fonction des orientations et position politique yo. Position politique lui, origine sociale et ethnique yo. Et bien sous base ça nous dit tout paysan mi pays d'Haïti yo, vrais amis pays d'Haïti yo, pour que yo prend responsabilité yo pour yo prononcer sur ensemble des violations systématiques des droits monde et notamment monde qui sorti dans quartier populaire. Nous-mêmes nous dit n'a porté dossier ça pas devant la Cour pénale internationale pour que ensemble des monde qui impliqué de près et de loin dans massacre, génocide et crime de et contre l'humanité yo, yo répond pour crime yo fait sous population hein, parce que nous estimer justice haïtienne nan, c'est une justice qui a fonctionné selon caprice pouvoir en place là et qui pas gain volonté réellement pour que moun sa yo yo joigne justice. Donc moun et la saline yo nous connaît la justice haïtienne de saisie des dossiers hein, et jusqu'à présent pas jamais gain une décision qui prend pas devant la justice haïtienne pour faciliter gagner yon prise de décision et que pour moun sa yo yo joigne yon aller mieux par rapport à situation y a vu journée jodi hein. C'est raison ça qui fait que n'a compilé yon ensemble des dossiers là et des moun qui victime yo pour que nous traîner dossier hein, par devant la justice internationale qui c'est et on dit qui c'est la Cour pénale internationale. Et nous connaît Conseil sécurité ONU également li gagne capacité selon statut de Rome là, selon statut de Rome là li gagne capacité pour être capable saisir des dossiers ça. Si Conseil sécurité l'ONU pas saisi d'office des dossiers ça, c'est parce que li entré en complicité avec ensemble des moun sa yo qui dans gouvernement qui gagne en tête les Jovenel Moïse et Joseph Jout et ensemble des autorités en dans pays là qui impliqué dans massacre et crime contre l'humanité sur population haïtienne. Merci beaucoup. Ma tout ba ou lui. Dis-nous pour nous. Mettez au fin Iswik, avocat au ba ou de Port-au-Prince.